Et puis l'autre grand temps fort, évidemment, c'était hier soir la grande confrontation sur LCI. Les 7 principaux candidats à la mairie de Paris qui ont exposé leur programme et qui ont échangé, qui ont débattu. Jean-Michel Apathy, beaucoup de séquences fortes. Évidemment, qu'est-ce qu'il faut retenir comme temps fort? Comme temps fort, on va y venir. D'abord, un bon débat, un débat clair. On a débattu du fond. Les gens s'écoutaient. Et finalement, les 7 candidats ont plutôt un bon niveau. Il n'y a pas eu d'erreur de chiffres, de méconnaissance de dossiers. Tout ça, ça a été assez bien. Au centre du jeu, il y avait Anne Hidalgo, maire sortante. Évidemment, elle a été un peu la cible de tout le monde. Et au fait, Anne Hidalgo, comment est-elle venue jusqu'à LCI? C'est la première question que lui a posée David Pujadas. Réponse d'Anne Hidalgo. Je suis venue en métro, voilà. En métro ce soir. La ligne 1, puis la ligne 9, et je suis. Ou la ligne 3, je ne me souviens plus. Vous êtes usagère régulière du métro. Voilà, régulière, et je suis descendue ici, tout près, et je suis venue en métro. Alors la ligne 9 ou la ligne 3, on ne sait pas trop bien, on enquête, hein, mais bon, il y a bien une ligne qui l'a amenée. Hein. Voilà, il y a bien une ligne de métro qui l'a amenée. Ça fait beaucoup réagir, effectivement. Descendu ici tout près. Voilà, ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, effectivement, Jean-Michel. Et donc, Anne Hidalgo, très critiquée, voilà, ça c'est le privilège de la sortante. Et à la manœuvre, Rachida Dati, qui parle d'abord des travaux. En tête dans les sondages. En tête dans les sondages. Quand vous parlez des travaux, ça traduit bien le bilan aujourd'hui d'Anne Hidalgo. C'est l'anarchie partout. Dans la circulation, dans les travaux, dans l'espace public, y compris dans le logement, dans tous les domaines. C'est l'anarchie partout. Bon, les campagnes, c'est aussi fait pour ça. On a bien le droit d'exagérer un petit peu. Et puis, toujours Rachida Dati à l'attaque. Quand on est dans Paris, les poumons, ils en prennent un coup. Hein. Franchement, je cours sur les voies sur berge. Je passe en apnée, hein. Il y a certains endroits, je peux peut-être après, je fais pas de plongée, je pense que je suis apte à la plongée tellement je cours en apnée sur certains tronçons. Ce sont des latrines à ciel ouvert, c'est pas aménagé, c'est pas verdi, c'est pas végétalisé. Hein. Je peux vous dire, là c'est la coureuse qui vous dit ça. Hein. Alors, créditant Anne Hidalgo d'une grande maîtrise personnelle, elle n'a pas quitté son sourire, elle n'a pas quitté, peut-être elle n'en pensait pas moins, hein, mais elle n'a pas du tout quitté son visage, elle a accepté toutes ses attaques et puis elle s'est défendue. La sécurité ou l'insécurité, tous les candidats sont convenus qu'il y avait un problème d'insécurité à Paris, mais à qui la faute? Anne Hidalgo l'explique, c'est la faute au gouvernement. Et ça, évidemment, elle a dit, c'est votre gouvernement, Agnès Buzyn, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'Anne Hidalgo, elle a aussi des adversaires. On écoute Anne Hidalgo. L'insécurité a augmenté de façon extrêmement importante à Paris, dans beaucoup de villes de France aussi. Et je voudrais vous montrer ce graphique. Voilà. Ce graphique montre deux courbes. Une première qui est celle de la baisse des effectifs de police nationale et l'autre qui est l'augmentation des vols, des cambriolages à Paris. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et je prends à témoin tous les Parisiens et toutes les Parisiennes, où sont les policiers? On n'en voit plus. Et puis on a aussi parlé du coronavirus dans cette émission, évidemment. Est-ce que la mairie de Paris est prête? C'est risqué. Agnès Buzyn, qui jusqu'à présent était ministre de la Santé, enfin il y a quelques jours, ce qui lui a valu un beau retour de volée de la part d'Anne Hidalgo. On regarde la séquence. Madame Hidalgo, j'espère que vous avez anticipé le passage en phase 3. C'est la seule chose qu'on demande sous à la maire aujourd'hui. Est-ce que vous avez préparé tout ce qu'il faut pour les... Malheureusement, vous n'êtes plus au ministère pour... Est-ce que vous avez préparé les problèmes économiques que cela va engendrer pour nos commerçants, nos indépendants? Est-ce que vous avez reçu toutes les grandes associations? Est-ce que vous avez reçu les filières professionnelles? Madame, donc je le dis simplement. Pourquoi n'êtes-vous pas restée au ministère de la Santé? Parce que je veux être maire, en fait. Je veux être maire. Je veux être maire. Donc j'ai quitté le navire à un moment où quand même il y avait beaucoup de choses à faire sur le navire. C'était un bon débat. C'est ce qu'il faut retenir. On a beaucoup parlé des dossiers de fond et les gens qui l'ont suivi, ils ont appris des choses à la fois sur la capitale et ses débats, mais aussi sur ce qu'est la gestion d'une ville.